Salut à tous, du coup on se retrouve pour le round 1 de cette semaine. Donc pour le warm-up, on aura 3 tours. On commencera par 10 down-up, donc c'est un burpee sans mettre la poitrine au sol. Ça fait 1, on en fera 10. Deuxième mouvement, strict press, vous prenez une bouteille ou un petit élastique ou une petite charge. Moi je vais prendre des poids d'un 25, je les ramène sur les épaules, les coudes vers devant. Bras tendus, j'engage la tête. Ok, mouvement contrôlé, pas la peine d'aller vite. On en fera 8. Et on va venir recruter la chaîne postérieure, on va faire des toe touch. Main droite, pied gauche, jambes tendues. Ok, pareil, contrôlé et jambes tendues. On doit sentir un étirement sur la chaîne postérieure. Et on fera ça du coup 3 fois. Pour le WOD, on a choisi de vous mettre, vu qu'on a fait les open pour beaucoup en free equipment, on va faire un petit relax. Et vous allez faire un WOD qui ressemble très fortement aux open. Donc 10 dumbbell snatch alternés, 10 burpees over the dumbbell, 20 dumbbell snatch alternés, 10 burpees over the dumbbell, 30, 10, 40, 10, 50, 10. Pour les dumbbell snatch, l'alter se trouve entre mes deux pieds, je fléchis dans les jambes, ok. Je sors la poitrine, j'attrape, on fera une tête d'alter qui touche le sol. Je vais venir pousser sur les jambes. Arrivé hors, je vais monter pointe de pied, sauter, diriger le coude vers le ciel. Finir mon extension, ça fait 1. Je change sur la descente ou au sol et ça fait 2, etc, etc, ok. Les pointés, jambes fléchies, on sort bien la poitrine et on finit son extension. Burpee over the dumbbell, classique, poitrine au sol, je me redresse, je saute, pardon, pieds joints, rep, ok. Pour le renfort du jour, on fera un Tabata, classique format connu, 20 secondes de travail, 10 secondes de pause, 8 fois. Le mouvement, il n'y en a qu'un, push-up. Pour ceux qui sont airless en push-up ou knee push-up pour ceux qui ont du mal. Donc vous avez 20 secondes de travail, ok, vous choisissez votre répartition, soit vous la faites unbroken, soit vous faites des pauses. Oui. Donc pour les pompes X, ok, les poignets sont sous les épaules, poitrine au sol, les genoux ne touchent pas le sol, les coudes sont contre les côtes, je pousse, ça fait 1. En adaptation, la même chose, ok. Et du coup, 8 tours, 20 secondes on, 10 secondes off. Allez, bonne chance.